Éternel notre Dieu, tout Seigneur, tu lisais mon pays à l'heure puissamment. Mon lui mon aïe a se manifesté. Père, évoqué le maillé, même à l'obé ouïta, dans mon lui mon aïe, mon santo. Manifeste-toi, Père. Maloba pourquoi le loué pour ta mine, ma fouille katina bon moyen, abissé pour ta mouma. Maloba pourquoi le loué pour ta mité, mes fans, échanger ma vie, abissé. Maloba pourquoi le loué pour ta mité, ma banga katia mité, ma abissé. Maloba pourquoi le loué. Et dans sa vie, ce qui est même ma vie, son anzelan, malheureusement, quelque chose, il y a un peu la vie, la vie, utilisé puissamment, mon pays. Au nom de Jésus-Christ, non, ça sabotage la parole, non, sa distraction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom tout puissant et glorieux, Père, te bénis, distraction, non, ce que vous allez papa, pour la croix, ma distraction, la banane ensemble. Bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, du Dieu jusqu'à la fin. Mon lui mon aïe a se manifesté puissamment. Na kombo na gloire Yesu Masia. Bien-aimé dans le Seigneur, wana tozo benga papa na biso bienvenue pour la côté de l'Obama ensemble. Bien-aimé Tobeti ma boko. Bien-aimé beta ma boko, aso mérité. Beta ma boko, beta ma boko, beta ma boko, beta ma boko, beta ma boko. Gloire à Jésus. Je vous salue au nom du Seigneur. Si la sœur Chance peut revenir encore. Et que toute l'église, nous pouvons nous lever pour chanter une fois de plus Alpha Omega. Même si tu ne connais pas la chanson, je t'exhorte tout simplement de suivre les paroles de cette chanson. Bien-aimé, notre Dieu est le commencement et la fin. C'est-à-dire, il laisse les hommes de foi commencer certaines choses. Des fois, il laisse le diable commencer certaines choses dans nos vies. Et lui, il s'élève, le dernier. C'est lui, celle qui a le dernier mot dans ta vie. Je t'ai pris, je t'en supplie même. Au nom du Seigneur, lève-toi là où tu es. Tu as placé les yeux au commencement de l'univers.
chair, mais ma chair, mon histoire s'envirait. J'ai bandé au méga, j'ai mouillé jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la nuit. Où m'attend au méga, même quand ma chair, mais ma chair, mon histoire s'envirait. Nous serons exprimés avec exactitude ce que tu es. Tu es grand, tu es grand. Le grand roi au-dessus de tous les dieux, c'est toi. Le commencement et la fin de toutes choses, c'est toi. Seigneur, un jour les ténèbres avaient commencé. C'est toi, l'alpha, l'oméga, qui a déclaré la fin, la fin, la fin des ténèbres dans la vie d'un homme. Il y a un homme ce soir, il y a une femme ce soir. Père,
que toi tu as décidé dans ton conseil divin de faire cesser les ténèbres dans sa vie. Nous t'élevons, toi, la lumière du monde. Tu es venu pour éclairer nos vies. Ce soir, Seigneur, je me tiens au devant de toi en qualité de ton serviteur. Ce soir, je me tiens au devant de toi, non pas comme un prophète, mais laisse que l'esprit du prophète repose sur moi, ô Dieu. Afin que selon qu'il est écrit, tu accomplis les paroles de tes serviteurs, ce que prédisent tes envoyés, tu exécutes cela. Accomplis mes paroles, exécute cela, ô Dieu, dans la vie de quiconque écoutera ta parole. Ce n'est pas ma parole, Seigneur, c'est ta parole. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est toi qui as écrit. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est toi qui avais dit, Seigneur, un jour, les ténèbres cesseront. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Tu fais de nous un canal de bénédiction. Merci Père pour ta lumière qui va jaillir dans nos vies. Merci Père pour le changement que tu veux apporter. Merci Père pour ce que toi tu vas opérer. Merci Père pour ce que toi tu vas réaliser. Oh Dieu, tu dis que l'évangile est le salut. Oh, pour quiconque croit. Laisse que quiconque croira à cet évangile, ton évangile, Seigneur, l'évangile c'est la bonne nouvelle. À cette bonne nouvelle, oh Dieu, que le salut entre dans sa vie au nom de Jésus. Que le salut entre dans la vie de son foyer au nom de Jésus. Que le salut entre dans ses affaires au nom de Jésus. Que le salut entre dans ses affaires au nom de Jésus. Que le salut entre dans ses démarches au nom de Jésus. Que la lumière puisse luire, ô Dieu de gloire. Même dans les ténèbres, tu vois comme le soleil qui brille en plein midi. Merci pour ta grâce. Merci pour ton soutien. Seigneur, dans mes faiblesses, laisse que ta puissance puisse se glorifier. Au nom de Jésus, ce moment est béni. Ta parole est bénie. Nous croyons à ta parole et nous disons Amen. Amen. Amen, hein? Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Nous pouvons répandre nos places. Je me suis tourmenté, je me suis dérangé. Quand le pasteur m'a dit, tu vas prêcher le dimanche. Eh bien, j'ai dit, Seigneur, j'aime bien que j'ai ce que j'appelle des messages inédits. C'est-à-dire des messages où je compose, j'écris, des inspirations que le Seigneur peut donner, je peux coucher sur papier. J'en ai par la grâce de Dieu plein. Mais j'ai dit, Seigneur, tu connais ce peuple mieux que moi. Tu connais les besoins du peuple mieux que moi. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire le dimanche? Bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur cet après-midi que l'Église, nous puissions prier. Amen. Hein? Nous allons prier. Des fois, nous nous disons seulement la prière, l'intercession, c'est le samedi, ou soit on dit dimanche, c'est un culte d'adoration où nous venons adorer, et louer, écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, là, c'est un stéréotype que nous avons. Là, c'est notre liturgie. Amen. Mais au-delà de toute liturgie, de tout ce que nous avons comme programme, Dieu aussi a son programme. C'est pourquoi ne nous basons pas plus sur ce que nous pouvons appeler, ce que j'appelle comme la religion. Pas sur la religion, c'est-à-dire nous avons un programme, c'est carré, c'est fixé, c'est comme ça, et nous devons faire les choses comme on a programmé. Mais au-delà de nos programmes, Dieu a un programme. Au-delà de nos organisations, Dieu a son organisation. Au-delà de tout ce que nous pouvons prévoir, Dieu a ses prévisions. C'est pourquoi la Bible dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Pourquoi le Seigneur a mis cette pensée dans mon cœur? Pourquoi devons-nous prier? Moi, je sais seulement une chose. Dieu veut que nous puissions prier. Amen.
Nous ouvrons nos Bibles dans Ésaïe, chapitre 8. Est-ce que quelqu'un peut nous aider pour la lecture? C'est juste, je vais te donner quelques paroles pour que tu comprennes ce qui est Christ, ce que tu es en Christ et ce que le Seigneur attend de toi. Amen. Trois choses. Ce que Christ est pour toi, ce qu'il a fait dans ta vie, ce que toi tu es en Christ. Une autre identité que tu as, peut-être que tu ignores, et ce que le Seigneur attend de toi. À l'issue de cette courte exhortation, nous allons nous plonger dans la prière. Bien-aimés, nous allons prier. Ce soir, dis-toi, je vais prier comme si je n'ai jamais prié. Même si ta voix va devenir sèche, tu rentres, on te demande, mais pourquoi tu as une voix sèche comme ça, dit, je viens de l'église. En tout cas, le lona bonde l'indéna, on a bonde la bongote. Les choses spirituelles se résolvent spirituellement. Si tu gagnes le combat spirituel, tu gagneras le combat physique. Car tout ce que nous voyons a un arrière-plan spirituel. Qui s'est dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire, on combat l'esprit par l'esprit. C'est pourquoi Christ a voulu que nous devenions spirituels pour combattre le monde spirituel. Parce que tu ne peux pas combattre le monde spirituel en étant charnel. Tu ne peux pas combattre le monde spirituel en étant physique. Il faut être spirituel. C'est pourquoi Christ nous a élevés à la dimension des hommes et des femmes spirituelles. Pour nous dire les combats que nous avons, nous ne combattons pas avec la chair et le sang. Mais nous combattons avec les démons. Ce ne sont pas des êtres physiques, des êtres spirituels. Des esprits méchants, ce ne sont pas des êtres physiques, ce sont des êtres spirituels. Brièvement, j'ouvre une parenthèse pour comprendre que même dans Saint-Brieuc où nous vivons, il y a des choses spirituelles qui s'effacent. Ce soir, nous allons prier aussi pour Saint-Brieuc. Bien aimé, la Bible dit votre bénédiction, votre bonheur dépend de la ville où vous vous trouvez. Si tu te trouves dans Saint-Brieuc, notre bonheur, notre bénédiction en dépend. C'est pourquoi nous devons prier aussi pour Saint-Brieuc. Peut-être qu'il y a des décisions qui se prennent, que nous ignorons. Si tu veux, moi je vais t'amener ici à Plérin. Je vais te montrer là où les Illuminati, les occultistes se réunissent. Je connais l'endroit. Je connais l'endroit. Et la personne qui m'a indiqué fut un ancien directeur de la SNCF ici en Bretagne. Il dit tout ce monde que vous voyez. Bien aimé, mettez une pause s'il vous plaît. Parce que ce sont des choses sensibles. Mettez une pause s'il vous plaît. Toutes ces personnes que vous voyez. Ça va, je peux évoluer. Toutes ces personnes, c'est sensible, bien-aimé. Je ne vais pas créer les problèmes. Toutes ces personnes que vous voyez, il me dit, les maires, les préfets, les décisions qu'ils prennent, c'est à notre avantage ou à notre désavantage. Des fois, nous voyons seulement une vague qui vient. On récupère les gens, les titres de séjour. Vous êtes d'accord avec moi? Des fois, on ne comprend pas d'où vient cela. Bien aimé, les ténèbres existent. Je ne lève pas les diables, il n'est rien, il ne peut rien. Je veux tout simplement que tu comprennes, les ténèbres existent. Si tu veux une deuxième expérience, mais sois fort. Amen, hein? Sois fort. Vous voyez le pont qui est là? Le pont,
si nous prenons la route ici, tout droit, pour arriver jusqu'au rond-point, tout droit ici, pour arriver jusqu'au rond-point, avant d'arriver au rond-point, il y a un pont, n'est-ce pas? Hein? Nous voyons ce pont. Aujourd'hui, expressement, je suis venu à pied. Je suis arrivé sur ce pont. J'ai dit à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux que je sache ce qui se passe ici. Pourquoi? Deux choses. Un jour, on avait veillé ici. J'arrivais au niveau du pont. Tu sens comme quelque chose t'attire. Si tu veux, passe là-bas vers 23h minuit. Je venais à la veillée ici, c'était 23h. Je n'arrivais pas à passer. Tu sens comme quelque chose t'attire. Tu n'arrives pas à regarder. Mais quelle prière faire? Moi, je dis, dans ces choses, il faut élever une autre dimension. J'ai commencé à prier en langue. J'ai passé ce pont, j'ai prié en langue. J'ai passé que les sujets, j'étais le seul à voir ces choses. L'heure n'est plus à la distraction. Toujours sous ce même pont. Maintenant, de l'autre côté de Balzac. Deux jours. Mon chef de production qui devait me prendre pour le covoiturage au boulot m'a dit il ne saura pas arriver jusque de ce côté. Il faut que je puisse le rejoindre au niveau de Cesson, Lidl, pardon, pas Cesson de Lidl. Premier jour, j'ai fait toute une semaine comme ça. Premier jour, j'arrive au niveau du feu. Vous voyez le feu qui est avant d'arriver à Balzac sur Massignon. Vous vous retrouvez, non? Sur Massignon. Entre le feu et la piscine. On voit, non? Entre le feu et la piscine. Quelque part là, j'arrive, j'étais en train de passer. Je sens comme si des gens sont sortis de cette petite brousse qui est là, mais suivez derrière. Je sens la présence humaine, mais spirituelle. Je tourne comme ça, il n'y avait personne. J'ai intercédé, j'ai prié. Deuxième jour, j'arrive toujours à ce niveau. En bas, il y a le pont. Je sens encore la présence humaine. J'ai prié. Moi, j'ai dit non. Il y a un problème. Troisième jour, moi, j'ai dit, je ne vais pas attendre que j'arrive sur ce lieu pour prier. Je vais les précéder dans la prière. J'ai prié. J'envoyais le feu de Dieu. J'ai détruit toutes leurs œuvres avant même d'arriver sur ce lieu-là. J'ai fait 4 jours. J'ai passé ce lieu sans sentir cette présence. C'est une grâce que le Seigneur m'a faite. S'il y a une présence mauvaise, je sens ça. Physiquement, je sens qu'il y a une présence qui n'est pas de Dieu. Pour tout simplement nous dire, bien-aimés, si les ténèbres existent, la lumière aussi existe. Mais Dieu a dit, les ténèbres ne régneront point toujours. Il y a des choses que tu subis. Il y a des choses que nous subissons. Ça ne vient pas de Dieu, l'ennemi. Bien-aimé, le diable ne cherchera pas ton bonheur. Le diable te connaît. Il connaît la valeur que tu as aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il cherche à tout prix à t'étouffer. À porter les ténèbres, cette obscurité, la peur, l'angoisse dans ta vie. Ce soir, nous allons prier. Ésaïe. Chapitre 8. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Après, directement, nous prendrons Matthieu chapitre 4, verset 12 à 15. Ésaïe.
Tu seras notre lecteur aujourd'hui, Agir. Voilà. J'ai mis la parole. Amen. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée, à la population étrangère. Amen. Après, tenons Matthieu chapitre 4, versets 12 à 15. Je reprends le texte le temps que mon frère cherche le verset. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays de Zabulon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront la gloire, la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Bien-aimés, ce soir, on ne parlera pas de Zabulon, on ne parlera pas de Nephtali. Ce sont des villages, ce sont des territoires. Ce soir, Nephtali, Zabulon, c'est toi et moi. La Bible dit, si un jour, ces territoires ont été couverts de honte, Dieu dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert nos pauvres, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Bien aimé, ici, Esaïe prophétisait. Tu as Matthieu chapitre 4, 12 à 15. Merci. Ici, Esaïe prophétisait sur le village, le pays de Nephtali et de Zabulon. Esaïe dit, les ténèbres ne régneront point toujours. Si un jour, dans le passé, des Nephtali, des Zabulon étaient couverts d'opprobre, d'angoisse, de honte, les ténèbres avaient couvert ces deux pays, mais il y aura un jour où les ténèbres cesseront. C'est ce qu'il voulait dire, qu'un jour, la lumière arrivera dans ces pays-là. Ils ne vivront plus dans les ténèbres. C'est pourquoi j'ai dit, bien aimé, ce soir, si hier, les ténèbres couvraient nos vies, ce soir, la lumière doit apparaître. C'est pourquoi j'ai dit, tu dois comprendre, avant de bien prier, parce que nous voulons prier, tu dois comprendre ce qui est Christ, ce que Christ a fait dans ta vie, ce que toi tu es en Christ, et ce que Christ attend de toi. Et bien, c'est bien de connaître son identité. Mais si tu connais ton identité, le monde des ténèbres ne joueront pas de toi. Si tu connais ta valeur en Christ, les démons ne se joueront pas de toi. Il y a des choses où un président de la République, il sait qu'il est président. Il exerce seulement son autorité. Amen. Maintenant, cette prophétie s'est accomplie dans Matthieu. Matthieu 4. Je lis la parole. Oui. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et Nephtali. Attends. Esaïe a parlé de Nephtali et Zabulon, n'est-ce pas? Suivez-moi très bien. Malgré que nous avons nos masques, ne perdons pas notre concentration. Nous respectons juste les gestes et barrières. Bien-aimés, Esaïe a parlé de Nephtali et Zabulon. Maintenant, écoutez ce que dit la Bible. Continuez. Afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Esaïe, territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Continue. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est élevée. Amen. Ce peuple avait vu quoi? Une grande lumière. Et la lumière s'est élevée. Ce n'était pas la lumière du soleil. Ce n'était pas la lumière qu'apporte les rayons du soleil, mais c'était la présence des cris de Christ. La Bible dit, Christ est venu dans cette contrée. Il dit, afin que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète Esaïe. Le peuple de Nephtali, de Zabulon, qui sont restés longtemps dans les ténèbres, ont vu un jour la lumière apparaître. Bien aimé, Christ
Christ est la lumière du monde. Si Jésus vient dans ta vie, il apporte la lumière. Si Jésus vient dans ta vie, il doit apporter la lumière dans tous les domaines de ta vie. Oh bien aimé, ce soir, là où les ténèbres régnaient, bien aimé, ténèbres fatigues. Ou bien Christ est la lumière, ou bien Christ n'est pas la lumière. Si Jésus est la lumière, qu'il éclaire nos vies. Si Jésus est la lumière, nous voulons appeler sa lumière. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis la lumière du monde. Jésus lui-même s'identifie en étant qu'il était la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Sois rapide, c'est soit tu vas souffrir avec les versets. Jean chapitre 8, verset 12. C'est ce que Christ est. Bien, écoute la déclaration de Christ. Ce que Christ est pour toi, ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Il y a des fois des choses où nous subissons, nous restons comme ça. Les ténèbres sont en train de régner, de régner, de régner. C'est-à-dire les ténèbres n'est autre que l'obscurité, l'angoisse, la peur que le diable amène dans nos vies. Jean chapitre 8, verset 12. J'ai lu la parole. Oui. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Amen. Qu'est-ce que Christ dit? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit. Oh, 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 quelle déclaration. Il te rassure, il me rassure. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre, il marchera dans la lumière du monde. Il aura la lumière de la vie. Bien-aimé, tu dois être éclairé. Tu dois être éclairé. Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Qui suit Jésus ici? Qui suit Jésus? Bien-aimé, si tu suis Christ, tu as droit à la lumière. Oh, laisse que la lumière de Christ soit ton partage au nom de Jésus. Oh, laisse que tous les domaines de ta vie qui étaient encore dans les ténèbres reçoivent la lumière au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est la lumière. Amen. Oh bien, mais il y a des choses pour lesquelles nous devons nous révolter. Oh, les diables ne peuvent pas jouer de toi. Les démons ne peuvent pas s'amuser devant toi. Parce que j'ai Christ qui est la lumière vit en toi. Alléluia. Christian, viens. Viens, mon frère. J'ai béni le Seigneur parce qu'il est plus noir. Il est blanc noir. Il a un teint noir. Bien aimé, Christ dit, c'est lui, moi je suis la lumière. Hein? Maintenant, Christ dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura quoi? La lumière. Maintenant, Jésus vit en lui. Jésus qui est la lumière du monde, vit en lui. Comme il vit en toi, comme il vit en moi. Maintenant, si Jésus vit en moi, il apporte quoi? La lumière. La lumière. C'est-à-dire, sa vie doit être éclairée. Tous les domaines de sa vie doivent être éclairés. Bien, mais la délivrance ne peut pas être partielle. Jésus accorde une délivrance intégrale. Une délivrance complète. C'est-à-dire, tous les domaines, tous les aspects de ta vie doivent recevoir la lumière. Parce que quand Jésus vit en lui, il apporte la lumière. Amen. Hein? Maintenant, Jésus vit en toi. Tu as la lumière. C'est ce que Christ est pour toi. Et c'est ce que toi, tu es dans le Seigneur. C'est-à-dire, quand Jésus apporte la lumière, non seulement tu es seulement la lumière, il apporte la lumière, il fait de toi une lumière. C'est-à-dire, il transforme ta vie. Il change ta vie. Il fait de toi une lumière. C'est-à-dire, sa présence, c'est la lumière. Et non seulement que c'est la lumière, il fait de toi une lumière. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es plus qu'Esaïe. Tu es plus que Daniel. Amen. Tu es plus que Jérémie. Amen. Jésus n'a pas vécu en eux. Jésus n'a pas vécu en eux. Oh, je croyais que tu vas me dire amen. Moi, j'ai dit amen. C'est la vérité. Jésus ne vivait pas en eux. Le Saint-Esprit venait les saisissait, opérer, travailler
vraiment. Mais Jésus a dit, je n'habiterai plus dans les temples faits de mains d'hommes. Oh, oh, je n'habiterai plus dans les temples faits de mains d'hommes. J'habiterai dans, dans un temple où moi-même Dieu j'ai fait, j'ai créé. Oh, c'est toi et moi. Oh, c'est toi et moi. Jésus habite à moi. Jésus habite en toi. Paul le dit, Paul accomplit ses mystères. Il dit, tu es le temple de Dieu, la demeure du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu demeure en toi. Amen. Dieu demeure en toi. Jérémie a prophétisé, il dit, on ne cherchera plus l'arche d'alliance. On ne cherchera plus l'arche d'alliance. L'arche d'alliance, ça sera toi et moi. C'est toi qui es le porteur de Dieu. Oh bien, mais c'est toi qui es le porteur de Dieu. Amen. 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 Mon frère. Qui nous dit? Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 5. Oh bien-aimé. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 5. Oh, ça bouillonne dans mon cœur, je vais prier. Bien-aimé, j'ai envie de prier. J'ai envie de prier. Oh, de dire au diable avec tout ce qu'il amène comme aux ténèbres. Ce soir, c'est fini. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Bon, ça va libérer Mingi. Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est-à-dire, si toi tu dis oui à ces choses, ça sera oui. Mais si tu dis non, la Bible dit que ça sera aussi non. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5. Je lis la parole. Amen. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Oh hey. Hey. Et des enfants du jour. Hey. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc pas. Non, non, arrête-toi seulement là, réponds s'il te plaît. Réponds s'il te plaît. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Nous sommes des enfants de la lumière et non des ténèbres. Les enfants du jour et non de la nuit. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des choses. La Bible dit, nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Si hier les ténèbres régnaient, parce que je ne connaissais pas Christ, je suis une nouvelle créature en Christ, c'est-à-dire les ténèbres doivent cesser. Je dois vivre dans la lumière. C'est ce que le diable fait. Il cherche à porter l'obscurité, les ténèbres dans ta vie. Plein d'angoisse, plein de peur. Tu vois que les choses ne marchent pas, les choses ne bougent pas. Amen. Nous sommes les fils de la lumière. Oh, est-ce que quelqu'un peut taper sa porte et dire, je suis le fils de la lumière? Si tu es une fille, tu dis, je suis la fille de la lumière. Oh, moi, je suis le fils de la lumière. Maintenant, la lumière a un rôle à jouer. Mais ta vie doit être éclairée. Jean chapitre 12, verset 35. Qu'est-ce que Christ nous dit? Toujours dans Jean, chapitre 12, verset 35. Après quoi nous allons prier. Jean chapitre 12, verset 35 et 36. Je lis la parole. Amen. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle afin de devenir des enfants de la lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. Pendant que vous avez la lumière, faites quoi? Croyez en la lumière, alors vous deviendrez des enfants de lumière. Il faut croire que Christ est ta lumière et il a fait de toi une lumière. Maintenant, tu dois prier. Lève-nous, nous allons prier. Par rapport à ces deux paroles, nous allons prier. Je voulais tout simplement te mettre la parole dans la bouche. Que tu comprennes que non. Un jour, dans Nephtali, dans Zabilon,
la prière, les ténèbres avaient cessé. Le Seigneur a dit, les ténèbres ne régneront point, hein, toujours. Et il est venu à nous, il dit que nous, nous sommes des fils, des filles de la lumière. Quiconque suit le Seigneur, il ne marchera pas dans les ténèbres. Oh bien-aimé, moi j'ai dit non à toute forme de ténèbres dans ma vie. Peu importe la forme que les ténèbres peuvent prendre, l'aspect que cela peut prendre, j'ai dit non. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons prier. Bien, mais nous allons prier. Tu m'accorderas même quelques minutes de grignoter quelques minutes de ton temps. Moi, je préfère même sortir à l'église et délivrer en retard que sortir en avant. Des fois, nous voulons sortir bien, mais tellement avant à l'église, mais que les choses restent les mêmes. Je ne dis pas que nous allons aller jusqu'au-delà, non. Mais permettez-moi de grignoter quelques minutes de votre temps précieux. Parce que nous voulons prier. On ne pouvait pas prier sans la parole. Il a fallu que nous puissions comprendre d'abord ce que nous sommes. Ce que Christ a fait de nous. Bien-aimés, nous voulons d'abord bénir le Seigneur. Qui est une lumière pour nous. Qui est venu nous éclairer. Après quoi chacun de nous va prier. Même tu vas prier. Tu vas appeler la lumière dans ta vie. Dans tous les domaines et aspects de ta vie, tu vas appeler la lumière. Que la lumière de Dieu puisse luire. Que la lumière de Dieu puisse briller. Partout où les ténèbres régnaient, tu dis aux ténèbres, oh, abattis, parle aux ténèbres. Parle au diable de ses acolytes. Dites-leur, Christ a dit que les ténèbres ne régneront point, hein, toujours. Ce soir, je déclare la déchéance du royaume des ténèbres dans ma vie. Nous allons chanter pendant que les musiciens nous conduisent dans ce cantique, bien-aimé. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Lui qui est la lumière. Oh, bénis le Seigneur. Qui est la lumière? Qui est la lumière? Il est venu apporter la lumière dans ta vie. Alléluia. Oh Jésus, merci. Élève ta voix, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Adore le Seigneur, loue le Seigneur. Dis-lui merci pour la lumière. Dis-lui merci parce qu'il est ta lumière. Dis-lui merci. Oh, parce que tu manges la lumière. Béni Jésus. Merci Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus.
diriger les prières. Restons calmes. Même les musiciens, en ce moment, nous allons tous prier. Même avec vos micros, vous allez prier. Nous allons tous prier. Psaume chapitre 18, verset 29, dit ceci. Écoute. Écoutons, bien-aimés, la parole du Seigneur. Voilà le sujet des prières. Oui. Tu fais briller ma lumière. L'Éternel est mon Dieu. Éclaire mes ténèbres. Amen. David dit oui. Tu fais briller ma lumière. Éternel est mon Dieu. Éclaire mes ténèbres. Tu vas prier. Tu vas appeler l'Éternel. Tu dis Éternel selon le psaume 18, 29. Éternel, éclaire mes ténèbres. Partout où c'est un ténébreux, partout où les ténèbres pouvaient régner, tu m'as appris ce soir que les ténèbres ne régneront point toujours. J'arrête. J'arrête toute influence des ténèbres. Fais éclairer mes ténèbres maintenant. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. J'ai compris. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, bien-aimé. Si à Dieu l'éclairé, les ténèbres de ta vie, tous les domaines et aspects de ta vie, quel est le ténèbre pour me régner. Quel est le Seigneur, éclaire. Toujours, Seigneur Jésus. Il y avait un moment qui a ténèbre pour régner dans ma vie, et un moment qui la lumière pouvait éclairer dans ma vie. Et je crie à ton Seigneur qu'aujourd'hui, que ta lumière m'a éclairé, Seigneur Jésus. Éclaire ma vie, Saint-Esprit. Éclaire ma vie, Saint-Esprit. Éclaire ma vie, oh le Saint-Esprit. Éclaire ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit. Dans le psaume 18, 29. Oui. 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 Éternel. Fais briller ma lumière. Fais briller ma lumière. Fais briller ma lumière. Fais briller. Je vous chasse au nom de Jésus. Fais briller notre lumière. Fais briller ma lumière. Fais briller
la bombe. Fais briller ma lumière. Oh mon Dieu, éternel, éclaire mes ténèbres. Éclaire mes ténèbres. Éclaire mes ténèbres. L'aspect financier, oh bien aimé, même dans l'aspect physique, les ténèbres apportent la maladie. Que la lumière puisse entrer dans ta maison. La lumière dans tes affaires. La lumière dans tes enfants. La lumière dans toutes tes voies. Oh Jésus, tu es la lumière. Que mon corps soit éclairé, fais éclairer Seigneur. Selon ta parole, selon ta parole. Ta parole est oui et amen. Ta parole est oui et amen. Ta parole est oui et amen. Oh mon Dieu, Seigneur. Alléluia. Zombie na poisana yo.
Écoute, bien-aimé. Matthieu chapitre 5, verset 14. Un autre sujet de prière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dieu a fait de toi une lumière. Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour mettre cela sous la table, mais on met la lampe sur la table pour éclairer la maison. Même une maison éclairée sur la montagne, même de loin on voit cela. Tu vas dire à Dieu, tu as fait de moi une lumière. Laisse que cette lumière puisse briller. Ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient cela. Dieu dit, j'établirai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui sont justes et ceux qui ne sont pas justes. Que Dieu allume ta lumière maintenant. Parle à Dieu, dis à Dieu que ma lumière puisse briller. Que les hommes voient cela. Que les hommes voient cela. Comment tu es tenté de prier. Que les hommes voient cela. Même ce qui t'appartient, si c'était enfoui, que cela soit dans les cercueils, dans la terre, dans les forêts, partout où ta vie, ton âme, ton esprit a été emprisonné. Ah, que la lumière puisse entrer. Et que tu sois délivré maintenant. Élevons nos voix. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je suis une lumière. Tu as fait de moi une lumière. Je dis Seigneur, que la lumière ne peut pas être mise sous la table. Oh Seigneur, fais éclairer nos vies. Fais éclairer nos vies. Tu dis la lumière doit éclairer devant les hommes. Oh, hallelujah. Oh, Yahweh. Oh, hallelujah.
de mon souvenir à taille pour l'ensemble. Oh, alléluia. Et lui qui en a la apporte la lumière. On ne met pas la lampe sous la table. On met la lampe au-dessus. Pour éclairer la maison.